Guy Mariusz Okana. Connu pour ses excès de zèle et de son arrogance à abuser sexuellement de sa propre fille. Il s'agit en effet de la fille de sa femme avec qui il a eu 2 enfants. L'affaire a éclaté après une tentative de suicide de la fille abusée et violée. Le tout couronné par une promesse de voyage à l'étranger non tenue. Disposant d'un large éventail au sein du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, l'épouse de Mariusz Okana a été contrainte à un droit de silence de la part des proches du violeur. L'affaire suit son cours. Une fois de plus, nous assistons là à une affaire de mœurs qui éclabousse le régime despotique congolais. Le dernier à en faire les frais n'était autre que Edgar Nguesso, qui avait tenté de violer sa propre nièce. Guy Mariusz Okana est membre du Parti Congolais du Travail, PCT, et proche de la famille Sassou Nguesso. Il aurait affirmé à qui veut l'entendre que l'affaire est sous contrôle et rien ne pourra l'arriver car c'est une pratique courante. Il a même osé citer le nom de Raymond Zinfirin Mboulou avec ses aïroises. Mais bon, jusqu'à quand l'impunité?